Parce que, comme je vous explique dans la vie, il faut faire très attention. Les voix que vous entendez là, les voix c'est un peu compliqué parce que c'est moi qui parle dans les voix là. Et vous allez voir la joie à laquelle je parle dans ces voix. Donc, je vais mettre ça, tant que j'essaie un peu de me maquiller un peu. Ok, je suis sorti, je fais mon petit travail. J'étais avec les amis, on a bu, et j'ai vu un de mes copains ici, il vient de partir. Donc voilà. Parce que moi je n'ai pas honte de ce que j'ai dit dans ces voix là. Mais vous-même, vous allez me dire si les voix là sont aussi terribles que ce que vous entendez là. Parce que c'est bien beau de fabriquer des choses dans les réseaux sociaux. Mais il faut assumer. Parce que j'ai décidé que ce genre d'hommes, on appelle les sous-hommes. Hein, les hommes utilisent, tous les utilisent après, c'est comme les hommes les jettent, les pieds plats. Qui se permettent de vous humilier dans les réseaux sociaux, de prendre toutes vos conversations, venir dans les réseaux sociaux pour vous faire le chantage. Ici, c'est mon bon gars. J'ai décidé de faire mon petit gars ici. Tu es mon ami, mais je n'ai pas envie de parler. Écoutez bien les voix, ce n'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui me détestent, ceux qui vont venir m'insulter, ce n'est pas grave, mais c'est ma voix. Je ne peux pas dire non. On commence, hein. Parce que je pense qu'il croit que j'ai les tops chez toi là-bas, tout ce que tu dis, on m'envoie tout. Mais c'est déplorable, c'est minable. Mais comment les chèvres de ce groupe sont calmes? Parlez, faites des commentaires, comme d'habitude. Il faut parler un peu. Vous êtes là comme des combats qu'on a mis dans des mondes. Quoi. Parlez. Vous êtes là pour soutenir hier. Parlez. Mais comment les chèvres de ce groupe sont calmes? Parlez. Faites des commentaires, comme d'habitude. Il faut parler un peu. Vous êtes là comme des combats qu'on a mis dans des mondes. Quoi. Parlez. Vous êtes là pour soutenir hier. Parlez.
là. Ça a commencé à sortir. Chacun va reconnaître sa voix bientôt. On attend 18h ou 19h quand il y aura du monde. Hein, parce qu'à l'heure là, on a dit il y a les gens qui travaillent là. À 19h, vous allez chacun venir prendre son totem ici. Comme vous aimez souvent entendre que vous entrez dans les choses qui vous dépassent. Depuis le début là, il dit ça roura. Oh boy, c'est là. Je vais vous faire suivre. Bon, j'ai pas le droit de le faire, mais c'est mieux ce soir. Vous allez être dénoncé. Quand vous n'avez pas de famille chez vous, quand il y a des problèmes, vous donnez des conseils. Mais quand c'est les autres, vous êtes toujours en train de tisser la haine, la bêtise. Voilà une là. Elle a eu le courage, Lydia. Elle sera là. Comme invitée, elle va témoigner. Elle ne se cache pas, elle le dit. Voilà. Et vous allez être surpris de ce qui va se passer. On dit à la guerre, comment la guerre. Quand tu vas en guerre, rassis-toi que tu as les munitions. Vous allez voir ce qui va se passer à Suresnes. Vous verrez. Vous allez comprendre que je suis vraiment un psychopathe. Prenez ça, prenez ça où vous voulez. Vous allez comprendre que papy, là, c'est un psychopathe. Moi, on m'a toujours dit que quand tu as donné quelqu'un à manger à quelqu'un qui n'en avait pas, même Dieu, là, tu le maudis, la malédiction va venir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui va se passer. Moi, je ne lâche pas ma scie. Quand je fais les problèmes, je suis comme un psychologue, un psychopathe. Donc, pour ceux qui vont me donner, je sais pas, je sais pas qui vont me juger, je m'en bats les couilles. Parce que quand je souffrais, vous n'étiez pas là. Mais vous allez seulement assumer. Chacun va venir prendre ses responsabilités de ce qu'il a fait dans le groupe. Parce qu'on va vous afficher dans toutes les pages de Facebook. Vos voix, et chacun va reconnaître ça. Quand on a publié, c'est qu'il y a une personne qui va reconnaître vos voix un jour. Et les noms vont sortir. Voilà. Donc, si vous êtes sage, venez dénoncer avant que l'heure arrive. Moi, je préviens toujours. Vous venez demander pardon. Donc, qui tu l'as fait? Et si vous voulez montrer que vous êtes des lions, on est prêts, vous sont là. Vous savez pas ce qui se prépare là derrière. Moi, j'avertis toujours. Bon entendeur, salut. C'est mon dernier voice avant la vidéo de la gloire. La gloire. Merci. Mettez les cœurs, écoutez bien, non, mais. On était où? Mais maintenant, on parle dans les voix. Moi, je mets les voix que moi j'ai parlé. Bon. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup tellement de voix que moi je vois ça. Tu sais, quand on ne donne pas tous les indices, non. Ok. Il y a ça, ça y a même beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Attends, ça va là. C'est moi. Tu vois comment ils ont insulté. Envoie-moi la vidéo que tu m'avais montrée là. Là, on va faire des pénis comme ça. Je ne veux pas montrer en Facebook, je ne veux pas partager avec quelqu'un. Est-ce qu'on a créé l'histoire? Là, voici qu'elle commence à m'insulter encore. Voilà, je vois qu'il m'insulte, non? Tu ne dis rien, papy. Non. Envoie seulement. Là, où est-ce seulement les pénis? Ouais, papy. Ce soir, 20 à ce final. Je termine, toi. Papy, le direct commence tout à l'heure. Le direct commence tout à l'heure. C'est comme m'a tout affiché, hein. Comme m'a affiché, moi aussi je vais l'afficher tout à l'heure. Et en salle. Elle n'affiche que quoi? Les photos qu'elle a mis là, ce sont les photos qui se trouvent dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Elle m'affiche que je lui ai fait quoi? Tu vois comment la vie est? Moi je suis couché ici, je cherche comment elle fait pour qu'on m'envoie un dagobert pour moi. Quelqu'un elle se met à m'insulter. Elle m'insulte pourquoi? Je lui ai fait quoi? Elle m'insulte pourquoi? Donc ce soir, alors elle va assumer ça ce soir. Tout à l'heure, merci. Est-ce que tu as compris, man? Tu as compris? Soit c'est comme m'a tout affiché, hein? Comme m'a affiché. Pardon, je ne vois pas le problème avec eux, mais je n'aime pas quand mes directs tournent. En tout cas, ce n'est pas grave. Ce qui est passé, mais moi, je n'ai pas apprécié.
Ça ne va pas se passer comme ça. Il comprend, il mélange tout. Ça ne va pas cela. J'ai oublié quelque chose là-bas dehors. On va la traiter, t'inquiète. Piquer, maman l'a piqué. Elle va vomir. Elle va vomir plus que ça. Pour les célébrer le mariage, c'est tout. Ça peut être tout. Nous, là, que les injures, les injures, les injures. Non, moi, je n'accepte pas ça. Non, je n'accepte pas. Donc, voilà. C'est non, je n'accepte pas. Voilà. Je vais t'oublier. En tout cas, quand tu as le temps, quand ton cœur va peser, tu m'appelles. Bisous et bonne soirée. Embrasse le bébé et la maman. Merci. Papy Longchamp, la vie joyeuse. Hein? En tout cas, moi, je vis et je respire. Il n'y a pas de souci. Bon anniversaire, même pas que joyeux anniversaire, Papy Longchamp. Oui, de toute façon, tu es ma personne et tu le seras, tu es ma personne. Quand tu vas finir de faire les chichis, tu m'appelleras. Bonne journée. C'est ma foi, je vous explique. Comme il veut trop parler, que j'ai parlé trop des choses, donc je vais essayer de comprendre. On était même où là. C'est ici. Papy Longchamp, c'est la vie joyeuse. Hein? Jamais. Attends. Tu vas m'insulter, les abeilles vont venir, les pécasses vont venir m'insulter. Je ne vais jamais te reprendre, j'attends. Jamais. Tu vas te ridiculiser tout seul. Je ne m'aime pas à mon premier ministre. Tu es venu faire quoi ici? Tu es venu seul, non? Il faut comprendre. Tu penses que je t'ai appelé ici? Je t'ai appelé depuis. Rien. C'est toi qui es venu, non? Alors, bonne journée. Réfléchis très bien avec qui tu as fait. Ah. Au revoir. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Amen. Ouais. Je peux pas te répondre. Tu vas voir qui je suis. Je ne vais jamais te répondre à Facebook. Jamais. Non. Tu vas m'insulter. Les abeilles vont venir. Les cassés vont venir m'insulter. Je ne vais jamais te répondre. J'entends. Jamais. Tu vas te ridiculiser tout seul. La salle. Je vais me premier ministre. Tu es venu faire quoi ici? Tu es venu seul, non? Il faut comprendre. Tu penses que je t'ai appelé ici? Je t'ai appelé depuis. Rien. C'est toi qui es venu, non? Alors, bonne journée. Réfléchis très bien avec qui tu as fait. Au revoir. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Amen. Il n'y a que toi. Merci beaucoup. C'est ma personne, merci. Je ne fâche pas, on est ensemble. Attends un peu. Du coup, papy, ne te fâche pas. Je sais ce que je fais dans les groupes là. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je t'ai retiré, ne te fâche pas. On est ensemble. La sardine. Du coup, papy, ne te fâche pas. Je sais ce que je fais dans les groupes là. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je t'ai retiré, ne te fâche pas. On est ensemble. Papy, je suis très étonné que depuis là, tu n'as même pas fait les directs. Tu n'as même pas fait un voice dans le groupe. Papy, je suis très étonné que depuis là, tu n'as même pas fait les directs. Tu n'as même pas fait un voice dans le groupe. Ok, tout à l'heure alors. Je t'attends parce que je vais commencer à faire les valises. Je ne comprends pas la langue, je voulais tomber dans l'eau là. Le papy, je suis allé au port, je suis perdu. Merde. Je ne savais pas ce qu'on a dit, on m'a dit qu'on peut faire ça à l'aéroport, c'est pour ça là où je suis là, je suis perdu. Le fameux test. Je ne comprends pas la langue, je voulais tomber dans l'eau là. Papy, voilà ce que j'ai envoyé, s'il te plaît. Je suis peiné, s'il te plaît, papy. Voilà le papy que j'ai envoyé. C'est bon, on va gérer ça. C'est bon, la mère, je gère. Je suis en ligne avec eux. T'inquiète, tu m'avais dit ça hier, on te faisait le test, on venait te donner ça à la maison. Là, c'est bon, on va gérer ça. Tu vas voyager. C'est bon,
c'est bon, la mère, je gère. Tu es en ligne avec eux, donc t'inquiète. Tu m'avais dit ça hier, on te faisait le test, on venait te donner ça à la maison. Mais c'est bon, on va gérer ça. Tu vas pas agir. Tu sais, j'avais beaucoup de choses. Non. Non, c'est autre chose. Mais, pour vous dire que dans la vie, il faut faire très attention. Une personne, pour un oui ou pour un non, il vous enregistre. Il y a eu quoi là? Imaginez que vous m'appelez chaque temps. Chaque temps, et puis je vous enregistre. Et alors? Papi, nous sommes dans le faux. Mais je n'ai jamais été fausse avec toi. Tu entends, non? Qu'est-ce que tu crois? Papi, tu es petit. La personne qui m'a fait de moi, une personne qui m'a fait de moi, vous parlez, vous venez, vous laissez. Hein? Hein? C'est un jongleur. Tu es tombé puis bacté. Tu n'es pas dans mon premier groupe. Papi, je suis quitté dans mon premier groupe parce qu'on a volé mon téléphone au Cameroun. Si j'avais encore le téléphone, ce qui s'est passé, ne devait pas se passer. Parce qu'il y a les gens qui sont dans mon nouveau groupe aussi, moi-même, je crée mon groupe, je quitte le groupe. Vous êtes resté là-bas. Voilà tout ça qui sort. Mais je suis très content. Parce que les gens sachent que tout ce que tu fais là-bas, les voix de toutes les femmes qui parlent dans ton groupe là, je les ai. Eh oui, les voix. Donc, je veux mettre tous les voix de toutes les prostituées qui sont dans ton groupe là. Je veux les mettre aussi. Tu ne peux pas avoir peur de toi. Tu n'as rien contre moi. Mais oui, tu étais mon ami. Quand elle demande que envoie-moi la vidéo là où Zoua pine, parce que tu m'as dit que tu as la vidéo là où Zoua te suce, parce que tu étais le copain de Mathe Zoua avant. Hein? Mais tu as enregistré ce que moi j'ai dit. Donc, méfiez-vous. Ce monsieur qu'on appelle ce petit bâtard, cet enfoiré, ce gigolo, hein? Ce poissonnet qui appelle papy l'enchant, lui fait ça. Il va vous finir. Donc sache que tu crois que tu es fort. Tu entends? Tu as trouvé une due warrior. Tu ne peux rien me faire au même niveau du Cameroun. Rien du tout. T'as tu vas menacer les petits gens. Tu entends? Quand une femme vous résiste, ça devient qu'elle voulait me draguer, elle a fait ceci. Voilà les voix. Les voix, ceci, c'est les voix que quelqu'un va venir se vanter que c'est les voix de la pauvre joyeuse. Ben, ce sont les voix de courtoisie. Bien. Voilà ça. Parce que quand les gens entendent que les voix, ce sont de voix, les gens courent. Les waros. Tout ce dit que tout va sortir, il veut même dire plus pire que ça. Ta voix va sortir. Oui. Tu sais le nombre de films, le nombre de femmes que tu menaces, le nombre de plaintes que tu as. Maman, je ne peux pas avoir peur de tout dans le temps. Les décombres, vous tous là, tout le monde là, tout ce que vous parlez avec lui, il garde ça. Pop. Quand ça ne va pas, il va venir s'asseoir. Voilà ça, voilà ça. Voilà quoi? Qui ignore comment je suis? Quand je suis dans un hôtel, je montre comment ma chambre d'hôtel est. Quand je pars chez mes soeurs, je m'en suis partout. Dès que tu me donnes ma chambre, je me sens à l'aise. Maman, tu trouves les caissons au sol. Parce que j'aime me sentir à l'aise. Parce que moi, c'est comme ça. Mais quand je quitte cette chambre, je remets la chambre à neuf. Tu lui as dit, tu vas filmer une femme, tu dis que c'est moi. T'as moi. Ta voix, même sur les voix, c'est. Il y a d'autres voix, c'est plus pire que ça. Hein, papi? Tes voix, ce sont là. Ton nom va toujours sortir dans le faux. Tu veux te montrer que les petits trucs disent que tu veux faire ceci. Je veux la menace. Viens. Vous savez que les gens qui aiment, depuis que tu exploites les femmes, depuis que tu publies les femmes nues, depuis que tu dénigres les femmes, tu fais quoi déjà que tu es leur ami alors que tu es un maître chanteur à deux balles. Les deux aussi, tu as trouvé la due warriors. Biwa, c'est obligé, c'est mon gars là, non? Hein? Vous tous là, ne prononcez pas mon nom. Vous tous, on est là dans maman, les voix, c'est de ça. Je dis que toutes les femmes là qui sont le groupe là, tous vos noms, tous vont sortir ici. N'est-ce pas quand tu es parti dans le groupe, n'est-ce pas que tu as demandé l'amitié à tous mes gens? Mais ils sont là pour moi, non? Quand je. Tout,
ils sont là, mais c'est aucun souhait. Toutes les voices, même ceux qui sont, tu vas effacer toutes les voices là. Je veux te mettre ça aux côtelettes. Et tu n'as ni ça, ni nous. Bignouma dans ta nanus, comme tu la grosse bouche. Et ton sud à la lèvre. J'ai mis les voix. Ne parle jamais avec ce mec. Il doit être banni. Tu as dit que tu as remonté, non? Que tu as non? Hein? Ouais. Je dis que je te wait. I dit what you for connaître. Je vais te montrer que depuis que tu fais souvent ce petit manioc là, tu as trouvé que quoi? Voilà. C'est un mec avec qui vous parlez. Il vous enregistre à tout moment. Même les conneries même, qui n'ont pas de sens. Tu viens mettre à Facebook. T'as pas honte? T'as pas honte? Tu prends les vidéos. Tu fais les captures d'écran. Tu dis, t'es parti ici. Tu prends une bordelle avec qui tu as comme qui était couché. Tu fais des choses. Regarde là où il dit que, là où il y a la télévision là. Regarde la télévision là où il dit que voilà la cocaïne. Que, donc, moi je suis courte de taille. Je vais aller. Vous parlez une ligne de cocaïne. Je vais être comme ça. Mais attends, on est où là? Il fallait mettre l'escabeau à côté. Comme ça, papy. J'allais monter pour signifier. Oui. Ben oui. Quelle télévision? Ça s'allumait. Il y avait la connexion là-bas. Il y avait la connexion. J'ai parti payer avec mon argent la connexion. Un petit banque. Je dis que toi et moi, le tout, si tu as trouvé ta part que par la carte. Et je vous dis que vous tous les femmes là, quand vos nudités sortent dehors, tout ce qui peut sortir dehors, c'est papy, le chat qui les met dehors. Vous voyez là, la troubadour là, qu'on appelle le manteau de Paris là. Si elle m'a insulté, pourquoi? Parce que comme elle est partie d'ici pour demander la suite politique à Lidl ou autre, en Angleterre. Ton asile là va sauter, le tout aussi. Que quoi? Parce que c'est une femme qui fait là. Allô, ici à l'époque. Elle était dans le camion. Maman. Elle est partie demander là. Une femme, asile politique. Il dit, Mado, le Cameroun a les problèmes. Quand tu as demandé cet asile politique là, est-ce que tu as vraiment que tu étais camerounaise? On sait comment vous passez. Elle est beau, de tout ciré. Mais de Paris, ta vie va sortir. Et de Paris, le chemin qui va parler de ta vie. Là, je me trouvais. Vous êtes malade. Mais je suis une bête, je suis malade mentale. Une sardinale comme moi, que vous avez que ça qui. Tout va sortir ici. Énergie, c'est enregistrement. Nous tous, on a plus de pire que ça. Nous tous, on va bien faire que parce que. Ne croyez pas que je suis une femme qui est faible. Pour moi, ce que j'ai fait abstraction, même pour mettre certaines vidéos ici, je dois d'abord écouter moi-même. Et je vous mets pour dire. Là, vous avez vu la vidéo que j'ai mis là, il y a quoi de mauvais dedans? Donc maintenant, vous allez m'enregistrer, pourquoi? Oh, on cherche l'amitié partout. Et les gens qui sont à mort, les cabris morts, les gens qui ne peuvent même plus se lever. Parce qu'il y a certains cabris qui sont à mort ici à Facebook. Tout le monde sort. J'ai appris que. David, là, des boussiers sortis. Maman, tu viens encore? Vraiment. Quand il va sortir sa, ta part, comment il vient te niquer dans ta propre, maintenant ton propre lit, que ton, ta fille est en train de pleurer, tu vas comprendre. Lâchez-moi un peu. On n'est pas pareil. Mais, la fois, je vais se vendre. Dis Warriors, comme tu fais ça depuis aux femmes et tout, si tu as trouvé ta part et calacala, tout le monde est vendu sa part. Et les besoins de moi qui sortent, et tous les stands dans ta tête, sortez! Je serai assis ici, on garde. Quand pour vous, parce que quand il dit qu'il a besoin de d'aller, papy l'enchant. Tu que tu es un gomme qui est fort, mais putain de bordel. Mais pourquoi tu as besoin de te rallier avec les petits gens de basse clair, la basse cour? Pour venir me faire ceci, va te rallier avec un grand, les grandes personnes. Parce que tu vas mourir dans ton pauvre film. Je suis une veuve, hein. Insultez-moi, moquez-vous de moi. Tout pour moi est mauvais. J'ai un gros ventre, je fais de porno, je prends la drogue, je fais tout. Mais sachez qu'il y a un Dieu, c'est ça. Et il y a celle que la cange qui est là. Et ne me provoquez pas. Oh. Ne me provoquez pas. Celle que la cange est là. On va voir ça. Go, go. Ouais. C'est du n'importe quoi.
Les cafards se réveillent. Les gens vont écraser. Papy Longchamp, il t'écrase comme ça. Tu t'écrases comme pouic. Tu ne peux rien me faire. Le faire. Comme depuis des années, tu es là. Tu menaces les femmes de tout. Dès que tu sois avec une femme, quand tu viens à Paris, c'est parce qu'il y a déjà. Tu menaces trop de tes petites acolytes là. Et t'envoyer un euro. Quand t'envoies pas, tu amènes à Facebook. Tu menaces. Maman, on va menacer la veuve dans mon canassi. Quand il y a créé mon canassi, il était avec toi. Hein? Peut-être que tu me cherchais. Oui. Oui. Tu vois, je suis comme les petits. Va menacer l'homme fondé à tout le monde, ils vont pas te répondre. Hein? Moi, je te réponds en piang. Repiang. Tu vois que je m'attends au Cameroun. Maman, je peux me mettre plus de vidéos, plus de voix que ça. Vous allez rire, on est que. Oh, pia. Il menace comme que. Regarde-moi ceci. Madame qui sont aussi. Maman, reste là-bas. Parce que je ne suis pas si. Je ne sais pas de Paris. Je ne suis pas si à Yabasi. Il y a le génocide à Yabasi. Est-ce qu'il y a un génocide à Yabasi? Tu es Yabasi, non? Tu viens dire que. Tu as mis là-bas. Tu as le tout de réfugiés politiques. Attendez. Faux usage de faux. Hein? Mais n'est pas ça. Ni vraiment, j'ai. Les gens viennent vivre en France, en Europe. Ils parlent des pays, ils disent qu'ils sont dans une zone anglophone. Même là-bas, même, on ne donne plus l'asile politique. Le Cameroun, ce n'est pas un pays qui est en guerre. Bande idiote. Et c'est tout le monde par la Facebook. Tu sais qui m'a dit ça? Madame de Paris, c'est Papy Longchamp qui m'a dit là où tu vis. Il m'a parlé de ta vie. Quand tu vis là-bas, l'asile politique, Papy Longchamp, comme tu vois là. Je n'ai pas compris. Donc c'est pour ça que tu viens m'insulter. Ah, si, hein. Voilà, donc, voilà là vos misérables. Qu'est-ce que vous croyez, même? Je n'ai pas encore moi. Les cas pour Papy. Les 20 000 vues pour Papy. Monétise ta page une fois, parce que toi et moi, on va pas se louper. Monétise ta page. Comme ça, au moins, tu auras même quelque chose aussi. Monétise là, hein. Parce que je suis avec toi, Krakala, Balata. Mais oui. Tu crois que quoi? Je ne savais pas qu'il y a pas si, le génocide, il y a pas si. Et je me parle avec ce. Il y a une vitamine, un béminga. 9 enfants, 9 pères différents. Tu me parles, moi, et langue. Chaque temps. Je veux choisir de venir. La marque déposée des petits dépositoires de sperme. Des réseaux sociaux. Hein? L'ingénieur d'après usage. Tous les machins qu'on pine derrière les portes, tu portes à part la veuve joyeuse. Vous êtes la même vie? Merde. Vous sortez d'où? Vous avez affaire hein, à une timbrée mentale. La plus gentille femme de la terre. Faites toujours calme. Vous avez affaire à moi. Alors on va appeler la police. Appelez la police. Oui. Appelez-les. Je vais tomber avec eux là-bas en bas. Appelez-les. Tout ça pour m'intimider. M'intimider pourquoi? Je vous ai fait quoi? Quand on pouvait arriver comme ça, il faut quand même essayer de comprendre. Tu crois que tu es petit client, un petit groupe de maniocs, de femmes qui sont frustrées, de balances, de prostituées, la noix, la con. On a que. Je dis que, hein, de tout aussi. Je vais te montrer que je suis sardinade. Essaye-moi. Vous aimez tant que j'en ai. Quand on va parler comme ça, on va dire que oui. Parce que moi, je mange ma sardine avec le pain chargé. Est-ce que c'est ça? Calme-toi. Oh, la veuve, voici l'enveloppe, la veuve joyeuse. Mettez le cœur. La veuve joyeuse, mettez. Hein, voilà son enveloppe ici. Hein, elle a 80 plaintes. T'as 80 plaintes. Que quoi? 80 plaintes par rapport à quoi? Bon. Allez me porter plainte. On va voir ça. Mettez le cœur si vous voulez. Si vous ne mettez pas le cœur, j'arrête mon direct. On me signale. Je vous dis qu'on me signale. Ouais, on me signale.
J'ai toujours été joyeuse depuis des années, pour ceux qui me connaissent. Bon, il y a même ceux qui ne m'aiment pas, qui sont toujours là, qui me regardent, qui abîment mon courage. Il faut savoir ça. Ce n'est pas tout le monde qui a mis sur Facebook. Ce n'est pas tout le monde qui a mis sur Facebook. Deux. Parce que, je vous dis que, de tous les stars de la Catala, elles sont les vieilles, elles ont ceci. Je ne vois pas qui. Mais j'avais vu la même chose à l'époque. Quand une star de la Catala m'insulte, quand je vais répondre, on bloque mes comptes. Voilà, c'était ma faiblesse. Le dossier, vous fermez, vous revenez. Je serai tout là, calacala. Les gens me cherchent, tout le monde a ça. Tout le monde a sa part. Les gens me disent que oui, quand je t'avais une instruction, pas répondre. Je ne pouvais pas répondre. Parce que parfois, ils fermaient tous mes comptes. Parce qu'ils savent ma force de frappe. Donc, papy l'enchant. Tu es petit. Comment on dit l'addiction? Parlons un peu de l'addiction. L'addiction, c'est quoi? Il y a des gens qui ont addiction au jeu. Il y a des gens qui vendent leur voiture. Tout leur salaire passe. Vous faites taper. Il y a des gens qui font des taper. On est d'accord? C'est une addiction. C'est même plus pire que la drogue. Il y a des gens qui sont les problèmes. On peut dire à ma personne quoi? Aide-moi. Peut-être que je vais demander quoi à qui? Mais s'il faut maintenant que dans le noir, on se parle que ouais, ma soeur, ça ne va pas. Aide-moi. Vous partez, vous enregistrez des gens pour des conneries. Vous êtes tenté des histoires. C'est n'importe quoi. Ne vous fiez pas. Moi, on dit qu'une influenceuse, c'est une influenceuse, donc si vous parlez, c'est une chose qui sont vraies. Donc, c'est vous passez rien dans ce. En Cameroun, que je vais travailler, quand je ne sais pas si là, les papiers, vous connaissez à moi. À moi de ma famille, en Côte d'Ivoire, la femme de papy Longchamp ressemble à moi. C'est pour ça qu'il n'ose même pas. Elle aimait ses grands. Je dis qu'elle est comme. Le visage, c'est comme on dit là. Peut-être c'est même la fille d'Amoy. Ou la cousine d'Amoy. C'est une vieille femme. Mais montre ta femme un jour. À moi que vous voyez souvent dans la famille, dans ma famille. Allez dans ma famille. Tapez ma famille. Il y a une femme là qu'on appelle la femme de Dosso. Dans ma famille. Ta femme travaille, elle ressemble à moi, donc elle est tellement laide et moche que tu ne peux même pas. C'est une femme. Je peux dire plein de choses sur toi. N'oublie pas que tu vas y monter son visage. Après, quand j'ai vu. Je t'ai demandé que la femme, si elle ressemble à la femme qui est dans les. Elle me dit que ah, c'est une femme, non, elles ne sont pas belles, elles sont toutes laides. Je lui ai dit que pourquoi tu fais quoi avec elle? Tu m'as dit quoi? Que Aka. Ils me donnent le confort, non?
J'ai dit, allez voir, si vous voulez voir le visage de la femme de Papi Longchamp, à moi, dans ma famille, en Côte d'Ivoire. Je te dis que tu ne me peux pas. Si c'est moi, je perds un peu la tête. Parce que j'ai beaucoup de choses à gérer. Et je peux vous dire que mes voix, ma mère se pose déjà bien. Elle prend ses médicaments. Elle prend son gombo, tous les jours. Elle boit. Il a même les trucs qui m'envoient. Même si ta mère d'aille, tu ne peux pas aller au Cameroun. Regarde-moi. Sardine, regarde-moi. Peut-être que vos petits procureurs que vous avez au pays là. Regarde-moi très bien. Voilà, Sardine, on va le prendre. Donc ferme ta gueule. Ferme-la. Si tu as fait quoi à tes petits manioc là qui te regardent, que tu es quelqu'un, tu ne regardes, je mange la pente sardine. Et ça serait comme ça. Tu es petit. Touche-moi, tu sais ce qui t'attend. Regarde bien. Pente sardine. À moi, n'est jamais là. À moi, elle recoulait partout. Comme d'autres se fait souvent avec à moi. À moi, dit que. D'autres se disent qu'ils travaillent au pont d'Abobo. On ne sait pas là où. C'est comme ça. Hein? Tu vois comment elle m'a une sardine? Donc, petit fanfaron, continue avec moi. Je mange une sardine. Quand même, tenir. Demande à Marie qui se elle est rentrée, non? C'est la personne. Tu vois qu'elle a quoi? Je dis que pain sardine, et j'assume que wow, les gens qui ont le cerveau doivent comprendre ce que je veux dire. Si toi tu veux aller m'amener dans l'histoire de comment me faire ça à l'aéroport, j'ai dit au journal tout à l'heure qu'il n'y a plus de masque. Hein? Donc on va monter l'avion, on va bien me cibler que là voilà, assis là-bas. Quand tu sais qu'on est à l'aéroport, les milliardaires ne sortent pas par. Non, on ne sort que par derrière. Tiens, attends, tu ne connais rien. Tu es un pauvre type. Il est secoué de ma bouche. Pain sardine. Il y a toujours l'appétit. Moi, je monte mon niveau. C'est pain de sardine. Mais. Tu n'as pas mangé le pain de sardine. Donc, je vais manger le caca. Je n'ai pas fait mon pain de sardine. Ça va vraiment, oui. C'est ça que ça dit. Vous, tu vas toucher une pince à dîne. Quand vous voulez montrer que je suis avec elle, qui est avec moi. Tout le monde a ses pince à dîne ici. Les pince à dîne sont nombreux ici. Donc, non. Pince à dîne. Il faut comprendre ça. Toi-même, tu parles, tu publies une femme, les réseaux, tu publies la nudité, soit dans la nudité des réseaux sociaux. Toi-même, tu prends mon passeport, tu publies, toi-même, tu as les voix. Mais tu es bête. Le débat n'est pas bon, hein. Quand tu ne sais pas gérer le débat. Hein. Mais quand tu parles, dans tes communications, quand il te. Tu es petit. Tu peux t'adresser à maman en débat. Hein. Moi, je monte mon pain sardine.
Donc, même ça, Dieu ne veut, ne signifie rien. Mais pour les comprendre, donc comme toi, tu dois comprendre. Il est nommé, il est ami. Je sais plus t'aimer que toi. Plus t'aimer que moi, ça, je ne sais pas. Attends. Je fais attention. Il y a des gens ici. Leurs femmes sont nues dans les réseaux sociaux. Ils prennent les enfants pour les donner aux yang. Ou l'argent pour aller jouer au casino. Vrai ou faux? Ce sont des additions. Ce sont très dangereux. Dès qu'une personne. Il y a d'autres qui gâtent. Ils se passent dans ta vie, gâtés. Des gens qui tournent me la font quoi. Va d'abord te reposer un peu. Élise et Lily, bonsoir ma chérie. Que je mange, vous savez ce que c'est le caviar? Le caviar, c'est les œufs. On appelle ça les poissons là comment? Les moutons. Vous avez à goûter le caviar un jour. Allez goûter les œufs de caviar, c'est moins cher. Les caviar. Vous savez pas pour ça, pourquoi c'est privilégié? Vous êtes bête. Vous croyez que quelqu'un va le payer 500 euros pour un coup de tout des œufs? Je ne vous dis pas le secret du caviar. Allez-y. Allez manger le caviar. Vous avez quelqu'un qui mange le caviar, manger après. Vraiment. Les Camerounais, vous êtes même comment? Vous avez vu quelqu'un qui part dans un restaurant, manger le caviar, manger après. C'est quoi? Il y a beaucoup de. Je ne veux rien vous dire. Allez manger le caviar. Ça, vous ne connaissez rien de la vie. C'est pour ça que les gens qui mangent le caviar sont les milliardaires, les riches. Une petite boîte. Peut-être comme ça. Il y a 500 euros. Qu'est-ce qui est rapide dedans? C'est vraiment le caviar là qui est dedans. Franchement, on ne peut rien vous apprendre. Oui. Vous voyez que moi, je mange la sardine. Oui. Allez, faites ce que vous voulez. Je peux vous apprendre beaucoup de choses, vous ne connaissez rien. Caviar. Allez manger caviar. Allez tomber, venu que là. On appelle caviar, c'est ça. C'est ça. Vous montrez les petits œufs qui brillent. Après, on dit que on va préparer. Comment on va préparer encore le caviar alors que c'est là? Parce que ce n'est pas ça. Quand vous reçoit ça, on vous donne la poudre. Bande de dieux africains, vous connaissez quoi vous? Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne connaissez pas les vrais mots, vous ne connaissez pas les vrais mots, vous n'avez pas la vous joyeuse. Allez-y, allez manger le caviar. Les portes, allez-y. J'ai trop parlé, pardon. On amène d'abord une petite boîte. Elle me goûte. Monsieur, c'est bon. Ah oui. Est-ce que quand ça va le ministre, la même boîte qui revient, vous voyez que c'est les mêmes choses? Bah, parfois, je reste comme ça. Mais... on n'est pas même caviar là. Après, les caviar sont quelque part là où ils se lèvent les mains. Ils passent sur les pieds. Ils viennent s'asseoir. Même le caviar, les œufs de caviar noir là, on vient poser ça devant, ils n'osent même plus à quoi manger le caviar. C'est bête. Il faut réfléchir, surtout il faut regarder le beau monde. Il n'y a rien de temps.
calmer l'âme. Hum? On dit, c'est très bon. Oh, ouais, c'est très bon. Après, c'est le même cabinet. Les œufs de l'impôt là qu'on vend là. C'est ça qu'on vous montre là. Vous avez remarqué. Est-ce que il ne mange plus ces œufs là? On goûte seulement une fois. Et ça ne va pas à la cuisine. Après, tu commences à vendre dans une table. Les gens commencent à disparaître. Tout le monde a besoin de plus. Les gens ne savent pas de même chercher quoi là-bas. Hein? Tu es tout là-bas. Hein? On zip, 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 zip. Je dis que, hein? Ben oui. C'est facile. Ça existe. Il faut regarder les beaux milieux. Parce que parfois, tu es comme ça, tu vois le truc là, comment il trompe le monde, tu dis que merde. Allez. Caviar. Caviar de sang. En tout cas, moi j'ai regardé certains milieux que parfois je n'ai pas dit certains secrets. Vous allez rester là. Depuis tu ne sors jamais, tu te laissez ma vie. Je ne vous dis rien, je ne sais rien, je ne sais rien. Mais moi, dans la tête, je vous donne certains indices si vous ne comprenez pas. Les sortes de porte porte ici. Je vous ai dit comment les hommes. Maman, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais je vais vous dire une chose, c'est que. Est-ce que ce pas dans les réseaux sociaux avec papy dans le champ, moi? Et moi? Moi, je te dis d'abord que papy, c'est moi qui te. Ça, ce n'est pas les menaces. Tu me lâches. Parce que sache que tout ce que tu as fait, tu crois que je suis seule. Il y a des gens comme moi qui ne montrent pas tout. Qui ne disent pas tout. Tu as dit beaucoup de mensonges et beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Donc, je ne te demande pas de t'excuser. Les directs vont dans tous les sens. D'accord? Ce sont mes directs. La personne qui n'est pas contente pas, parce que ce soit on commence encore, on commence à bloquer. Tenez vos gueules ici. Quand vous voyez déjà que ça n'a pas déjà un sens que vous ne voyez, vous ne voulez pas. Parce que ce que vous faites, caviar dans les caves à vendre ici à Paris, et vous m'appelez. Moi, je suis arrêté quand on est vite pour manger le caviar. Donc. Écoutez, vous savez, ici, il y a les Camerounais sont des gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens, parfois, tout ce qui te perturbe, ce sont des gens qui sont nés pour ça parce que leur vie ne sont pas. Ils veulent qu'on reste dans une même lancée. Non, parfois, tu changes de lancée. Je sais qu'à ce moment, il y a, on dit qu'il y a une certaine Miss Cameroun que je ne connais pas, que je ne suis même pas, qui a insulté les blagues à ta chose comme moi. Bon, ça, moi, vous savez que moi, avec ce genre de monde, moi, je. Il y a les grandes stars comme elle, là, Ilon Fondia, tout ça qui vont s'occuper d'elle. Moi, je suis dans les blagues à ta chose, ici, avec papy, le genre, c'est tout. Hé, le bout dépasse. Dégage de moi. Mais tu as fait un poste sur moi, non? Alors, dégage. Plus jamais. Il y a les gens qui me font rire. Pourquoi que je ne vois pas ce que je parle à Facebook? Que quand je lève, il fait un poste sur moi. Papa l'enchaîne après. Et il ne faut pas. Je n'ai pas besoin de soutien de l'homme. Aucun soutien. Je m'en fous. Je n'ai pas besoin de soutien de qui que ce soit. Moi-même, je me défends. Qu'est-ce que vous croyez-vous? Oh, quand il vient de tuer quelqu'un, c'est parce que j'ai aucun besoin de soutien. Une personne qui dit qu'il me soutient, hein, c'est une personne qui dit que non, je veux soutenir, pardon, je soutiens Boningo, moi seul. Maman, quand je m'amuse, je vois qu'il est star, je m'amuse dans le direct des stars, je mets les cœurs, je rigole et tout. Donc, rigole avec quelqu'un, ça veut dire que la tu ne veux aucun soutien. Aucun soutien. Tu me défends tout ça depuis des années, d'accord? Et c'est ça de qui? Les gens qui eux-mêmes sont en suspens. Que dès qu'un de vont qu'on soutient la veuve et maman, il va les mettre la langue nue. Que quoi? Qu'est-ce que vous croyez-vous? Allez, c'est bien de l'homme. L'homme a mis que allez,
maximum de reine là-bas. Moi, je ne veux aucun soutien d'une star, la carte. Vous m'apportez quoi? Vu que vous-même, vous êtes là-bas. Imagine comment il a fait sa danse. Toi, il t'a fait. Pour que Gam l'a fait. Pour Ngossa, il a fait. Il a tout dit. Et tout ça va sortir. J'ai pas de mouf. Vous prenez pour qui? Depuis 16 ans que je suis à Facebook, c'est maintenant là que je vais pouvoir soutenir quelqu'un. Allez! Hop là! On a dit que vous allez tous les petits toutous, vous allez vous faire humilier comme ça partout. C'est de ce que je ne bloquais plus les gens. Maintenant, je vais commencer à insulter, à bloquer. Vous prenez pour qui? Les petits magnons qui sortent de partout là, dans les petits champs de maïs à la con. Ah, c'est bon. Mais les suites, les petits mancoignants, les petits machins qui ont raté leur vie, qui demandent l'asile politique, comment ça aide à l'asile politique? Hein? Marie de Paris qui sort, elle sort de là, des villages, de machin, tout là-bas, du que l'asile. C'est un asile politique là-bas sauté. Et là, tu supportes qui? Venez, entrez dans mes paumes avec les stamps de la catégorie sociale. Vos vies vont sortir. Je vous ai demandé de me soutenir. Hein? Entrez. Je suis assis ici, Kalakala. Tu ne peux pas me détourner dans mon Ghana. Jamais. Dans mon zoo, jamais. Le gouvernement de la choix, jamais. Jamais. Les Warriors, qui peuvent. Vous ne pouvez pas me. Vous rêvez que je quitte Facebook. Mais je ne peux pas. Kaine. Je ne peux pas quitter Facebook. Jamais. Nada. Vous te dites, vous les rêvez de que la prochaine je quitte. Si je quitte Facebook, ce sera encore quoi? Dans vos vidéos, il y a la danse là-bas, il y a quoi? La joie de vivre là-bas, il y a quoi? À part de dire qu'on a dit qu'on a fait que. Que quoi? Sortez. Dénigrez-moi. Je suis arrivé à un niveau que. Hein? Il n'y a que Dieu ce qui sait comment ça va se passer. Vous si. Il n'y a que des lâches. Un homme s'attaque aux femmes, il s'attaque, il insulte les femmes. Parce qu'il veut tenir mon ganda. Non, la veuve. Nous ne veut même pas les gens dans le gabana. Hein. Quand j'arrive avec les filles, on va organiser, on va bien arranger la chambre si les filles vont venir travailler. Je dis. Que quoi? Tu m'exiges que c'est toi qui dois amener les femmes travailler chez moi? Toi si! Quand on te dit non, ça devient que tu es drogué. Te voici ici, tu as pissé. Tu vois, papy dans la chambre, tu es un homme qui dénigre la femme. D'où? La seule femme qui pouvait te supporter, c'est la femme qui ressemble à moi, la chèvre, à moi. Vous voyez, à moi, que, à moi je la respecte. Mais ce sont sosies. Allez voir ma famille, il y a une femme qu'on appelle à moi, qui est sujet avec Thérèse Bagzé. La Nchinda de Thérèse Bagzé. Oui, à moi. Vous voyez la femme là. C'est comme ça que la femme de papy dans le chat est. Grand de time means. Et quand ils font leur chose là, elle prend la chambre ici, la femme prend la bosse, il prend la chambre ici, la femme prend là-bas. Lui-même, il bouille ça. Vous savez, demandez Fleur de Lille. Quand tu as un copain qui connaît les choses, maman, quand on arrive, il dit qu'il va en homme, il va faire quoi? Tu vas dire, chérie, toi aussi, fais seulement, non. Alors, tu es sur les pédés aujourd'hui, alors que toi-même, tu es dedans. Parce que quand tu as commencé à faire la veuve, tu croyais que. Tu crois que les gens ont peur de toi. Le, tu as trouvé Courtelina. Courtelina, oui. Chaque. Que toi et moi, c'est chaque temps. Tu sais tellement que mes problèmes ne s'arrêtent pas là. Tous les gars avec qui, quand tu vas faire les allô, allô, là, les filles là. Tous les gars que tu as mis à l'eau, tous les gars qui te font ça derrière, tous les gars, les coins des gays que tu menaces ici, là, tout ça va sortir. Ils ont trouvé, tout le monde a trouvé son, leur porte-parole et c'est moi. Parce que tu es un possédant. Tu as combien de problèmes? Hein? Oui. La seule femme qui est comme, qui peut t'aimer et que tu peux balancer, que tu peux faire chier, c'est à moi. C'est avec qui tu vis. Parce que, elle est laide, tu la pousses. Parce que quand une femme est laide, ouais! Elle fait du n'importe quoi. Mais,
Elle a fait deux enfants. Un petit garçon et une petite fille. Là où j'ai même les voix ici, là où chaque fois que tu me citais, ta petite fille pleure. Parce que tu es devenu babysitter. Et c'est le week-end que quand elle sort avec tout l'argent qu'elle a travaillé, elle te donne ta part de petit loyer. 1000 euros, 1500 euros. Un ganda, pas un ganda. On dit un ganda. On invite les petits prostituées, tout le monde. Et les filles qui venaient, c'est pour les recruter, hein, pour entrer dans l'association, la société des prostituées. J'ai dit que tout va sortir. Tu attends. Tu as souvent fait ça aux femmes. Ne touche pas, tu as trouvé ta part de vrai ganda à Paris. Mais voilà, ouais, parce que vous me depuis le cœur, je vous laisse. Je vous laisse passer une agréable soirée. Je vous embrasse. On se voit demain. Oh non, il y a mes filles qui sont là passer. J'ai mes séries qui passent souvent. On est ensemble. Chaque personne va parler sa femme. Je vous prédis, je vous dis que toutes les femmes là qui me suivent là. Ne vous inquiétez pas, tous les voix vont sortir. Ça va dire tu es ici. On gagne. Vous tous. Il est que tout ce que vous avez dit. Même ce que. Dit que papy, le femme va le faire. Et que tout va sortir. Si je veux mettre table, tes voix chaque temps ici. Comme tu crois que tu enregistres les gens. Tu n'as même pas honte. Je peux rigoler avec toi-même pour te dire bonjour. Je peux avoir des problèmes avec toi pour te dire, ouais, aide-moi. Je suis à l'aéroport, aide-moi. Tu enregistres carrément. Pour faire du chantage, que essaye encore de parler. Tu vas voir. Voilà ça qui t'arrive. Le fait par le fait. Continue avec lui. Continue. Et que vous tous là, vous vivez en sortie derrière ce phénomène-là. Ce poursuivre à deux balles. C'est mettre chanteur des réseaux sociaux. Il faut chanter la moitié de toutes les femmes des réseaux sociaux. Parce que il fait quoi qu'il a ça et ça, ça. Mais quoi? Quand ça va sortir, c'est votre problème, hein? Oui. Mais si quelque chose m'arrive, hein, c'est que c'est lui. Que c'est toi. Parce que je veux te faire fermer ta bouche. Comme tu dis que tu vas me faire. Parce que tout ce que tu montres, moi j'ai les vidéos. Je vois les vidéos. Comment j'ai fait une vidéo là où je montre mes habits, je montre mes trucs, ça veut dire que moi je suis bordelique, comme je montre souvent quand je suis dans les hôtels. Tu as appris ça. Hé, hey, te voici ici. Hein, j'étais surtout qui ignore que quand je fais mes vidéos, je suis souvent sous. Hein? J'avais mon petit bonnet sur la tête, tu dis que te voici ici. Comment j'ai pissé sur moi. Tu es parti me mettre. Comment vous pouvez. Il dit qu'il est parti me mettre sur le lit. Il m'a filmé. Est-ce que le lit de la chambre, c'est. Et mon lit où j'étais là. C'est le même lit. Mais vous ne regardez même pas les détails. Quand et où que je me fais enfiler pour dire pour parler à cocaïne. Tout ça. Parce qu'il y a je veux mettre les bois chaque temps. Parce que les gens qui sont là-bas avec toi, tout ce que tu mets là-bas, papy, tu es petit. On m'envoie tout ça que vous voyez. On m'envoie tout. Là maintenant, on va voir qui va fermer sa gueule, toi ou moi. Et les mardons de Paris, ceux qui sortent de. Du pays de si je savais là où ça en banque où vient dire que vous l'asile politique que tu as demandé là, tu vas dire comment tu as atterri à Paris et comment tu as atterri à Paris, tu as demandé l'asile politique parce que tu as eu ta maison parce que vous étiez dans un enclos de chèvres là-bas, là où on vous a mis dans un enclos, ça s'appelle Lidl, ou c'est Lidl, ou c'est la ville qu'on appelle, ou c'est Libre, ou c'est quoi là-bas. Tu as demandé la zipotion, on t'a donné les trucs. Tu avais eu le premier avec l'autre là. C'est qui est devenu. Non, moi je dois si, hein. J'avais fait les camps, les années dans les camps là-bas, coucher avec tout le monde, faire les enfants. On vous a fait sortir, tout le monde a eu sa part de maison. Tu viens parler à qui? Une femme qui demande la zipolitique. Moi, je ne sais pas, une femme qui demande la zipolitique. Il faut au Cameroun, non? Vous venez seulement ouvrir vos gueules. Comme si tout le monde vous aime trop. Mais, placaré. Mais de 9 enfants. Avec 9 pères différents. Sans compter les 100 cartes que tu as versées aux toilettes. Tu veux me parler? Je suis fatigué, mais voilà. Je vous laisse. Passez une bonne nuit. Abonnez-vous. C'est la même joyeuse. Abonnez-vous.
Je m'en vais à Dubaï avec vous, je vais m'amener sur ma part de porte-porte là-bas. J'ai encore le temps. À mon âge, si je mange, ça fait quoi? Si je mange, ça fait quoi? Mais je pense que je ne peux pas manger à cause des choses là. Je vous embrasse, portez-vous bien. J'ai fait ce que je vais faire. Je suis le défenseur des femmes que les hommes traitent mal. Les femmes que les hommes méprisent. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a ces petits négrumes les réseaux sociaux ici. Papy Longchamp. De comment Mougou, du camé, etc., etc. Ils sont seulement là, avec une femme fait boum, il vient là pour menacer. Avec moi, ce n'est pas ça. C'est pas la taille. Regardez-moi les phénomènes même. Regardez leur bouche quand ils parlent. On dirait la purée, la dialecte qui sont dans leur sale bouche. Vous parlez vraiment les femmes, c'est. En tout cas, j'espère que tu passes une très bonne soirée avec ta femme à moi. Allez, tapez ma famille. Il y a une femme qui s'appelle à moi là-bas. À moins, vous allez voir à quoi ressemble la femme de Papy Longchamp. J'ai même honte d'être, je ne suis pas sorti avec une femme comme ça. Toujours bien habillé, un petit racoleur. Il est toujours dans les Kwanenge. Il faut le voir. Toujours là où il y a les hommes. Toujours en train de courber. Quand tu jettes le savon sur une salle, tu jettes le savon sur. Tu te couvres comme. Il se coupe pas de. Boum, c'est déjà devant. Déjà derrière. Mais comme c'est déjà ouvert, donc ça ne sert même plus à rien. Donc, parce que les gens adorent dans les prisons. Quand ils jettent le savon, quand tu te couvres comme ça, ils te prennent. Ils sentent comme ça fait. Boum, ça veut dire qu'ils te décapsulent. Mais pour lui, quand il se couvre comme ça, ça ne fait même plus. Boum, ça entre directement parce qu'il attendait que ça. Tu me parles, toi? Tu me parles, toi? Tu as trouvé ton cerveau aujourd'hui. Tu dis que je suis psychopathe, non? Je suis plus psychopathe que toi. Tu entends, non? Tu n'as que la bouche. La bouche, comme j'ai toujours dit. Les gars bangatés ont la bouche, mais en bas, ils n'ont rien. Dès qu'on jette seulement des savons comme ça, ils te couvrent volontairement parce qu'ils veulent qu'on le prenne. Parce que ce n'est pas facile d'avoir la prison. T'as une facile en prison. Toi et moi, c'est une place. Fais encore une sortie. Sur moi. Les petites menaces, tu n'as pas honte? Il y a les femmes qui vont témoigner. Tu n'as pas honte? Tu fais le chantage à tout le monde. Le chantage à tout le monde. Bok! Tu pars ici, Kounia, tu pars au Maroc pour te faire finir. On t'a donné le site là-bas, tu viens parler. Hey, bok, 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 bok. Et, mais attends, mais regarde-toi quand tu fais tes vidéos, quand tu parles, papy. Tu ressembles à quoi? Mais tu es énorme. Mais tu fais la rage avec une femme, une droguée comme moi. Mais tu es rageux. Tu parles pour convaincre qui? Et puis quand tu vas convaincre une chose, ça va changer quoi dans ma vie? C'est quand même malheureux. Mais tu es un bâtard. Quand tu parles, la façon que tu parles, c'est la rage. Pour faire quoi qui? Tu es un homme. Pas la voiture, tu viens ici au Ghana. Parce que ici, c'est non grata. Tu n'entreras plus jamais ici. Et je n'aurai jamais peur de toi. Tu peux pas dire ce cas. Tu te dis même. Tu sais que quand tu prononces le nom de Bibi, on doit. Pour mon nom, pour mon frère Bibi Ondoa. Là, c'est un autre dossier. On va voir ça. Tu y prends tu les exemples. Demande, tu peux faire quoi, Bibi Ondoa? Pas parce que Bibi Ondoa a eu des problèmes. Et vraiment. Regarde-moi un petit chien comme ça. Hein, ça bon. N'importe quoi. Hein? Le tout, si tu as tué ta dose. J'espère très bien. Sache que je vais t'apprendre à respecter les femmes. Non. Tu mens, un petit bâtard. Tu mens. Parce que moi, j'ai capturé toi. Hein. Les vidéos là, on va aller au commissariat avec au Cameroun là-bas. Et puis, on va soulever mon corps. On va voir si j'ai une cicatrice de césarienne. On va t'obliger de dire que ça, c'est qui? Ça, c'est quelle femme ça? Tu dis que c'est moi. Moi, quand? Et les gens croient, ça, c'est la veuve. Non, ça n'a jamais été moi. Et même si c'est moi, peut-être que dans mes heures perdues, peut-être que j'ai fait une césarienne, hein, sans savoir. Est-ce que même si c'est moi, tu devais mettre ça pour montrer quoi? Ta supériorité dans les réseaux sociaux, que tu as la vie de tout le monde, mais de tout si tu as trouvé une duwarose. Parce que vraiment, ça doit s'arrêter. Hein? Que moi, après j'ai bien regardé la vidéo, j'ai regardé, j'ai écrit, peut-être que ça peut être moi ici. Hein? Je sais que merde. J'ai regardé les détails que non, c'est encore bien. Regarde.
Peut-être que c'est moi, je ne sais pas. Mais j'ai un sein qui est fendu. J'ai debout. J'ai un ventre comme ça. Il y a beaucoup de détails que je vais vous montrer. Hé, hey, papy. Tu pars une ou deux que tu as fini. Tu que te vois. Il dit même que c'est quand j'étais à Lyon. La chambre, quand j'étais à Lyon, c'est la même chambre là. Même quand j'étais à Monaco, c'était la même chambre. Parce que tu ne m'as jamais vu. Ici, c'est ma chambre. On t'a dit que quoi? Demande, papy, dans la chambre. Demande au Féman. Il y a certains que tu peux citer leur nom. Les majestés hommes qui sont dans ton mur. Ils m'ont déjà vu nu. Ils peuvent te montrer comment ils dansent ce strip-tease dans leurs autres chambres d'hôtel. Mais ça n'a jamais été moi. Tu entends? Tu veux pas une femme qui me ressemble pour m'enfuir, je ne vais pas me dire que c'est moi. C'était quand et où? J'ai une scratch ici en bas. Vraiment. En tout cas, maman, vous savez, dans la vie, les gens, quand ils papillent dans le champ comme ça, ce sont les gens que quand ils veulent montrer que je veux faire, parce que papillent dans le champ, lui, sa vie, c'est quelqu'un qui dit qui veut défier tout le monde. Je veux te faire, je veux faire ceci. Tu vas faire quoi qui? Admettons que c'était moi. Admettons que même c'est moi. Le fait pas le faire, hein. Ne regardez pas les gens comme mon corps dit que, oh, on n'a rien, on est, c'est, mais attends, mais c'est aberrant. Et faut voir, et les femmes parlent là-bas. Papi, les cœurs, on t'aime. Là, ce n'est pas moi. Ça doit être vous. Vous savez le nombre de femmes avec qui il fait le chantage? C'est un maître chanteur. Mais oui. Il dit qu'on est ma maison aussi. Que les souris viennent m'en prendre l'apéro au salon. Pourquoi? Un maître chanteur comme toi, tu n'as jamais filmé. Pourquoi tu as jamais filmé ma cuisine? Tu veux mes toilettes? Comme ce que ça pue? C'est ça, c'est toi-même qui connais. Pourquoi tu n'as pas filmé ma salle de bain, filmé mes chambres? Parce que tu ne pouvais pas le filmer. Parce que tu es un petit enfant. Et les gens comme toi, que devant tout le monde, tu crois que tu peux me menacer. Quand je te regarde comme ça deux fois, papy, tu fonds en larmes. N'oublie pas. Chaque personne a sa puissance. Vous ne voyez pas comment tout le monde qui vient ici, quand il parle, parce qu'il n'arrive pas à me saigner. Au contraire, ce qu'on fait, on va inventer des choses. Oh, elle m'a embrassé. Oh, j'ai besoin de toilettes. Parce que vous ne pouvez pas. Ici, c'est comme ça. Je ne laisse même pas d'avoir l'occasion. Vous êtes, tu vas ici, si mes chambres si sont ouvertes. Ici. Qui a osé filmer ici? Il n'a filmé, non? Vous parlez pour des choses que dans les réseaux sociaux. J'avais une vidéo, l'ami. J'étais là. Il m'a filmé. Tu m'as filmé où? Tu vas capturer les écrans, les réseaux sociaux. Tu vas mettre dans ton mur. Tu dis que c'est toi. Tu vas fabriquer ça plusieurs fois. Et moi, ce sont des détails. Sache que tu n'as personne. Tous les stars blagata te montrent qu'ils t'aiment. Mais au contraire, elles ont peur de toi. Parce que ton règne va finir ici avec moi. Tu entends? Je ne te laisserai pas. 999. Pine. Tu mens. Tu es tombé sur la joyeuse. Je suis là pour combattre ce genre de mec. Contrefaçon, c'est toi. Proséntisme, c'est toi. Hein? Tout ce qui est mauvais, c'est toi. Et tu veux me parler? Pour commencer, je vais vous laisser. Hein? Papy est très dangereux. Mais vous savez, David a tué Goliath. Le peut-être le jour qu'il va quitter, il peut venir me faire du mal ici. Il peut tomber ici les escaliers comme cela. Boum. On le trouve là couché là. Vous savez, les gens qui nous protègent, c'est Michel Archange me protège, papy. Tu ne peux pas faire Michel Archange. Tu es un homme mauvais. Tu es un homme égoïste. Tu es un homme qui fait la dictature en profitant des pauvres, misérables femmes. Surtout celles qui n'ont pas de papier, celles qui n'ont rien. Tu profites d'elles. Et dès qu'elles vont sortir de tes griffes, les problèmes commencent. C'est uniquement, papy, parce que j'ai refusé que tu viennes manger ici, dans cette maison, avec une femme. Tu dis que non, je vais venir avec elle. Je dis que papy, elle n'entre pas chez moi. Une femme ne peut pas m'inciter dans ton groupe, elle n'entre chez moi. Vrai ou faux? Donc, c'est la maison ici. L'engagé de la veuve. En tout cas, on verra ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Papy, l'enchanté, moi, c'est Balata, une place. Et comme tu as prononcé le nom de Bibi Ondoa, donc tu peux menacer Bibi Ondoa, toi aussi. En tout cas, on verra ça demain. Bonne nuit. Je dois manger encore ma sardine. Je mange mon pain sardine. Le yami. Et l'an. Pendant bonne nuit, on est ensemble.
les mêmes clics. Hein? Je ferme bien ma porte. Ben non, pourquoi? Pourquoi je ferme ma porte? Donc, tu crois qu'il va entrer dans les meubles ici pour venir casser la porte? Mais vous ne me connaissez pas bien. J'ai peur d'eux. Non, il faut dénoncer les possénettes. Ceux qui profitent des femmes vulnérables. Pour moi, c'est qu'il a cru que j'étais vulnérable. Je ne suis pas vulnérable. Hein. Vous savez que moi, j'ai une chose que quand vous me voyez. C'est ma gentillesse. Que quoi que je connais, c'est quoi? La plus dangereuse de quoi? Vous savez pas que l'eau calme est calme. L'eau calme est dangereux. C'est ça. J'ai dit que allez voir la femme là. On appelle un mois la chef. Elle est dans un mois. Elle est dans. On appelle la série là comment? Ma famille. Et elle ressemble à un mois. Elle est bête comme un mois. Elle est mince comme un mois. Regardez bien les visages. C'est un mois. La femme de papy. Comme tu vois ici. Donc il a trouvé son troubadour qui va dire que chérie, je te fais des annonces là-bas. Hein. Va travailler. Parfois, quand elle travaille en bas, elle a... et quand elle sort, ping, ping, un mois, elle lui remet l'argent. Comme ça, il vient à Paris recruter les filles ici à Paris. Dès qu'il te recrute, il dit qu'il fait. Lui, il ne fait pas les annonces. Hein. S'il donne à ses petits troubadours, on te fait les annonces, après, il te fait le chantage. Le chantage est fini, tout ça, dans les mecs, vraiment joyeuse. Ouais, j'ai fait l'annonce, maman. Ouais. Donc, mais ouais, je vous laisse. Demain, c'est jeudi que je fasse faire mes petits trucs. Et vous en passez, on est ensemble. Dieu au contrôle. J'invoque tous les saints pour me protéger. J'invoque tous les saints pour protéger tous les gens qui vont sortir des griffes de Papy Longchamp. Oui, le femme va le faire. Papy Longchamp, tu crois que tu ne peux pas m'atteindre. Parce que c'est Michel Archange va t'abattre. Tu sais ce que tu t'appelles Pablo Escobar, non? Quand tu dis que tu t'appelles Pablo Escobar, tu sais qui c'est? Voilà, c'était mon mari à l'époque. Il appelait mon cou que Pablo Escobar. Quand tu t'appelles comme ça, ça veut dire que tu prends le cou. Tu sais pas vu quand tu passes les temps, tu es là. Tu parles. Quand tu parles un coup et que tu veux tout parler, ça te coupe la bouche. La bouche te coupe la bouche. Quand tu parles tes vidéos, je suis une connaissance. Tu parles, est-ce que tu vas pouvoir parce que tu prends la drogue maintenant, tu vends la drogue. Que j'étais chez les fous à la défense, moi si. À la défense, c'est les fous à la défense, je ne savais pas, hein. Moi, chez les fous, non. C'est lui qui était chez les fous. Celui qui passe son temps dans les petites prisons, les petits comtés. Il est, on les emprisonne partout. Les fous, pour aller chez les fous. Vous connaissez ma vie? Si j'étais chez les fous, j'allais savoir que j'étais chez les fous. Et vous faire quoi que je n'ai jamais été chez les fous. Je peux vous envoyer mon truc médical, vous allez voir. Si j'étais chez les fous, c'est moi, c'est lui qu'on va appeler. C'est lui ma famille. Il est comme ça, quand il a papi dans le champ, il est horreur de ça. Quand il n'a rien contre quelqu'un, il fait comme ça. Même si j'étais chez les fous, ça fait quoi? Il n'y a que les fous qui savent que nous étions chez les fous. Je n'ai jamais été chez les fous en aucun jour. En aucun jour. Quand? Où? Quelle date? Il faut qu'il donne les dates, hein? Parce que vous savez que nous, on aime les dates ici. Il donne les dates quand j'étais chez le fou. Et puis, on va regarder les vidéos, comme je fais souvent plein de vidéos, là, à quel moment j'étais chez le fou. Parce qu'il n'y a rien. Je vous ai dit que là, nous, on aime les détails. J'étais chez le fou. C'était quel jour? Quelle date? Quel jour? Quelle date? Je vais te combattre avec tes mensonges, papy l'enchant. Tu ne m'as pas. Le tout, si tu es tombé sur l'os. Tu as tombé sur l'os. Pour aller pourquoi je les fous. J'ai jamais mon tramadol que je bois ici. Et puis, je vais encore aller chez les fous. Mais pour moi, que tu es bien trouvé une folle. Et tu as trouvé une vraie folle. Une vraie. Ton mensonge. T'es dit. Tu entends, non? Ton mensonge et t'es dit. Tu entends? Ton mensonge et te dire, attends, non, vont te rattraper.
Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Donc, même ces 4 fois, au revoir et à jamais, ça fait quoi? Ça vous regarde. À te regarder, c'est mon direct. À te neve. Je suis chez moi. Même si Dieu voit même 100 fois, ça fait quoi? Parce que vos collègues qui vous disent ça m'intéresse. Vous payez ma connexion. Jackie m'a fouillé, votre bloc, d'abord, même tu quittes moi devant mon mur. Les petites bordelles qui partent te prendre les faux comptes pour m'insulter. Non, quand il venait manger chez moi, il n'était pas folle. Comme par hasard, je suis folle. Non seulement qu'il a eu la diarrhée ici. Il a eu la diarrhée ici plusieurs fois. Hein? Il a eu la diarrhée ici plusieurs fois. Je n'étais pas folle. Là, maintenant, j'étais folle. Et on m'a amené à l'internet à la défense. Je ne savais même pas qu'il y avait un centre hospitalisé à la défense là on antenne les fous. Comment tu connais ça? Parce que comme tous les petits bordels que tu travailles souvent avec, ils sont ici. Là. Quand ils commencent à être folles là-bas, tu les amènes là-bas. N'oublie pas que je connais la plupart des petites femmes, des petites filles que tu traites ici. Hein. Les Warus, il y a des gens qui viennent m'attaquer. Sachez que moi, je bloque. Hein. On est ensemble, bisous. Au revoir, papy Longchamp. Tu as trouvé ta dose ici, ce que je suis, c'est ça. Facebook, ça sort comme ça sort. Et si je commence à bloquer, que vous venez passer vos commandes ici, là, je vous bloque. Quand vous venez, regardez les vieilles femmes, les vieilles folles. C'est le condamné que François s'est réuni sur le Yatou ici. Je te bloque d'abord, va te reposer un peu. Je n'aime pas, je sais que toi et moi n'est pas toi, ami. Je vous laisse, je dois aller me reposer. Et puis la petite robe, si je sais bien mon ventre là. Oh, tu n'as pas un dessin bébé là. Que non, est-ce qu'il est déjà venu ici là? Je vais trouver un bébé là ici, je crois que c'est quelque part accroché ici. Je te dis que l'eau de ça. Bon, je vous laisse, hein. Je ne veux pas entrer dans ça, je suis fatigué. Bonne nuit. J'espère que j'ai tout passé ce soir. Et pour vous dire aussi que mes Warriors, mes filles, les gens qui me suivent, faites attention. Il y a beaucoup de filles qui sont, surtout des filles vulnérables qui viennent d'arriver dans ce pays, qui veulent absolument travailler, absolument faire plein de choses. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention parce que le monde n'est plus comme c'était avant que tu venais. On te recevait, c'était très bien. Kwanenga, c'est quoi? Va demander aux gens. Oh, la tour est faite, vous dit bonsoir. Ça a brillé tout à l'heure, là, ça ne brille plus, c'est fait tard. On m'appelle la femme bien de là-bas. La femme bien de là-bas. Regardez où je vis. Calme, tu peux. Donc quand un bandit arrive en face là-bas, tu vois, il y a que le bandit arrive. Ça se passe comme ça. Avec ma tour Eiffel. On appelle que la femme bien de là-bas que roi. Oh, bonne nuit, mes warriors. La femme bien de là-bas. La femme de beau quartier. Suren, 92. Là où c'est bien, là-bas, on appelle la tour Montparnasse. Là où il y a la gare Montparnasse, c'est là-bas. Oui, bien sûr, il a fait voyager beaucoup de filles. Beaucoup de filles, même ici, il y a des filles qui mangent des caca ici. Voilà, ça veut dire, oh, moi, tu as compris, non? Tout ça coûte de l'argent. Un quartier très calme. Mon héritage. Au moins, même si je n'ai rien hérité, je ne suis pauvre, je ne suis rien. Au moins, quand je me lève le matin, je ne trouve pas un mur devant moi. Quand je me lève le matin, je viens m'asseoir ici, il y a les petits oiseaux qui chantent. Cui, 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 cui. Vous voyez? Je vous dis au revoir avec ma tour Eiffel. Vous voyez?
Je vois le ciel. Je vois tout Paris. Il y a même la lune qui est là. Vous avez la vue que j'ai ici, panoramique ou c'est quoi. Voilà. C'est ça qu'on appelle vivre en bain. Je n'ai rien. Je suis pauvre, je n'ai rien. Mais au moins, même quand je n'ai rien, au moins j'ai la plus belle vie du monde. On est d'accord là? Regardez mon quartier, comment c'est calme. Allez à Paris, allez à Château Rouge. Là, si vous allez rencontrer les Manzembe en route, les Manzembe, un quartier très calme. Les Lomaniens ne vont plus me soutenir. Je fous quoi avec les Lomaniens? Je fous quoi avec eux? Pardon, dégage. Comment tu as vu mon quartier? Ils sont là, pardon, dégage. Vous allez me faire quoi? Je m'en fous quoi? Ils me soutiennent, j'ai besoin de votre soutien. Bande d'idiotes, les avoutons. Bande d'avoutons, j'ai besoin de vous que quelqu'un me soutienne. Voilà. Bonne nuit à vous. On est ensemble. À demain. Ciao, ciao.